déclare qu'il y a trois genres de mouvement local. Le mouvement circulaire, le mouvement rectiligne et le mouvement mixte, composé du rectiligne et du circulaire. Le dialogue sur les grands systèmes du monde a été écrit en italien par Galilée en 1632 et traduit en français en 1992 seulement. Ce texte, écrit comme une pièce de théâtre, est un des textes fondateurs de la science moderne. C'est le texte physique qui est à l'origine du principe d'inertie, un principe qui est étudié en fait au niveau de la terminale et après au niveau universitaire. Et Galilée l'exprime en fait dans une langue qui est parfaitement compréhensible et c'est ça qui est très intéressant pour nous. C'est un texte qui fait 500 pages. J'en ai à peu près gardé 10-15%, de sorte que ça puisse être joué en 59 minutes exactement. Galilée s'adresse aux gens de son époque de façon très compréhensible et même poétique. Galilée dit par exemple que le mouvement est imprimé de manière indélébile dans la matière. Et le principe d'inertie, voilà qu'est-ce qu'il est en substance. Aujourd'hui, on le dit de façon beaucoup plus technique, mais la substance, c'est celle-ci. L'objectif du texte de Galilée était de démontrer que le système de Copernic, montrant la Terre tournant autour du Soleil, était bien le système le plus pertinent. Malgré une écriture très lisible, l'aspect scientifique du texte n'a pas rebuté la compagnie, le groupe L. Depuis quelques années, il se trouve qu'au fur et à mesure des rencontres, aussi parce que moi j'enseigne à l'université Paris 7 dans un département de journalisme scientifique, et j'enseigne la mise en scène de controverses scientifiques, on a été appelé à travailler avec des scientifiques et sur des sujets scientifiques. Voilà, on n'est pas une compagnie qui travaille que sur des thèmes scientifiques. Mais quand ça arrive, c'est toujours un grand plaisir parce que c'est un mystère total. Voilà. La lecture proposée samedi soir n'a été qu'une étape pour la compagnie. Le texte de Galilée devrait bientôt remplir l'espace scénique et mouvoir acrobates, comédiens et magiciens en une féerie céleste.